Je pense maintenant que vous êtes habitués, vous connaissez le concept du Legends Relight. Ça fait bientôt un an que le concept existe sur la chaîne. Et c'est très souvent qu'il y a des gens qui me disent « Hey Blast, c'est quand qu'on a le retour du Legends Relight ?» Parce que oui, j'en fais pas tout le temps, je pense que c'est un concept qui est vraiment cool. Mais si je le fais vraiment de temps en temps, c'est-à-dire une fois par mois ou même plus que ça. Et on va refaire un Legends Relight aujourd'hui, évidemment générateur de date. On prend ça depuis le début jusqu'à aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Alors encore une fois les gars, le concept il aura un an au mois d'août, donc franchement je suis trop content. Ça permet de jouer des choses différentes. Et je rappelle pour ceux qui savent pas, en gros je génère une date aléatoire, donc j'espère qu'elle est le plus tard possible, parce qu'en gros je vais jouer les personnages et devoir faire une team avec les personnages des portails les plus proches de cette date. C'est à dire que s'il y a genre un portail 3 jours avant et 2 jours, enfin 3 jours après 2 jours avant, je prends ces deux portails et j'en fais une team et on va en PVP. Je sais que c'est super cool et c'est trop bien, j'adore jouer ça et j'adore tenter ça. Par contre, pour l'instant je dois avouer que j'ai plutôt eu de la chance, c'est à dire que la plupart du temps ça s'est pas trop mal passé. Les gars, ça peut très bien virer au drame. Si imaginons, là, on a le portail de Gohan Jaune et Bojack Violet, je vois pas comment je gagne. Et bien pour l'instant, on n'a pas eu trop de soucis. Je triche jamais, c'est-à-dire que je fais un seul record. L'objectif, c'est de découvrir ça avec vous. Et puis après, on va aller chercher le portail. Je génère, les gars, ça monte pression parce que pour vous, vous verrez pas ça. Mais moi, ça se trouve, ça se trouve, je vais une demi-heure de tournage. Ou alors, ça se trouve, ça va durer 3 heures. Tout dépend de la team. Est-ce que je vais passer mon après-midi à faire ça? 3, 2, 1. 15 octobre 2021. On n'est pas loin du festival. 15 octobre 2021. Alors attendez, on est 2020 là. 15 octobre 2021. 30 septembre. 6 octobre 2021. Oh, c'est CLLF. Ok, bah c'est le portail Happy Weekend et le portail de CLLF. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une team avec Broly bleu, Migaté, Gogeta Blue, Vegeta Blue. Ah, c'est nul! Et derrière, Cell, Gatai, Gohan, Goku 4. Oh, ça va être terrible! Ah là 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 là, je vous zoome un peu, mais je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas bête. C'est ces deux portails. Bah, d'ailleurs, ça crampe un peu l'image. C'est ces deux portails-là, les gars. Le The Perfect Being et le Legends Weekend. Je suis un peu embêté parce que je sais pas comment je vais faire. J'ai aucune idée de comment je débute ça. On se retrouve directement les gars. Bon, alors je pense que vous avez l'habitude maintenant, ça fait plus de 8 mois que c'est comme ça. Mais on prend trois persos et derrière on met Kabzazenkai. Au début je prenais 6 persos, mais même les gens m'ont dit en vrai c'est bête parce que c'est impossible de gagner une game de 1 et de 2 en vrai. Bah ça a pas de sens, tu joueras que 3 persos dans tous les cas, donc autant jouer tes 3 persos. Et en vrai en proud on aurait pu, par contre en proud on aurait pu, d'ailleurs pourquoi pas retenir ça pour la prochaine fois en proud. Grosse team, en vrai, plutôt grosse team en face. Et c'est surtout en vrai Jiren qui m'embête, je crois que c'est surtout Jiren, ouais, il a, en fait il a contre-type sur tous nos persos. Sauf Gatai. Je sais pas si on a bien l'avantage là. Bon, encore une fois ce qu'il faut retenir les gars, c'est que t'as des persos comme Gohan. Que le mec soit fort ou pas au jeu, en vrai, c'est Gohan quoi. Enfin, vous avez compris quoi. Bah, c'est ça le problème. Et c'est que le mec, même à contre-type, il met Gohan quoi. Oui, c'est ça le délire. C'est que t'as. Alors, c'est assez dingue en vrai. Ce que je vais vous dire, c'est que le mec, il a un vert et un jaune. Donc, il m'attrape mon violet. Il est censé. Enfin, depuis l'histoire du jeu, de toute l'histoire du jeu, tu mets ton jaune en fait. Et ben, les joueurs de Gohan, non. Les mecs ont Gohan, non. Les mecs ont Gohan, ils s'en foutent en fait. Juste, ils s'en foutent. Ça fait pitié, hein. Ça fait pitié. Parce que ces mecs-là, quand ils auront plus Gohan, ils seront perdus. Ils veulent juste me verte avec Gohan, hein, les gars, tranquille. Y'a pas trop d'intérêt. Bah ouais, mais en fait, est-ce que tu vas lancer une attaque ou pas? C'est désastreux, c'est dépitant. C'est, je sais pas, j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots, mec, en face. Tu te rends pas compte de comment. Est-ce que les mecs ils se rendent compte de comment ils jouent?
Franchement, c'est dingue. Franchement, je vous jure, c'est dingue. Le mec, mais enfin. Je me tais, je préfère me taire, tranquille. Full bienveillance, les gars, que de la bienveillance. Que de la bienveillance. Hâte de voir quand ils auront pas Gohan, ces mecs. Alors, ça sera remplacé par une autre mécanique. Hein. Ah ouais, mais vraiment, vraiment, c'est. Vraiment, il joue un 2-3 soleil, le frérot, en fait. C'est... Ah, bah vas-y, c'est bon, c'est bon. En fait, si je lance pas l'attaque, il ne la lancera pas. En fait, c'est ça le problème, que. En fait... Ah oui, d'accord. Non, mais vraiment, vraiment. Jusqu'au bout. Si je la lance pas, il lancera pas une seule attaque. Si je n'ai pas un point d'exclamation, comme ça se passe depuis une demi-heure, il ne la lancera pas. Il est déjà là, lui. Bah ouais. Tu le sais en face que t'es pas bon au jeu. Mais maintenant il va pouvoir se permettre d'attaquer. Et encore il le fait même pas, il attaque toujours pas. Regardez, il attaquera pas. Ça sera que de la réaction. C'est un des plus gros campeurs que je n'ai jamais croisé de ma vie. Depuis que je joue au jeu, je crois que c'est la game la... J'ai pas vu. Vous savez quoi? Je suis quasiment prêt à prendre ce call. Est-ce qu'il a lancé une seule attaque avant moi? Je suis quasiment sûr à 100% que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cliqué sur une carte. C'est-à-dire que la seule fois où il a cliqué sur une carte, c'est parce qu'il a vu moi qui lance un point d'exclamation, lui qui a esquivé, contré l'espé et avec sa jauge. C'est tout. Or ça, il n'a jamais mis une seule carte. Là par exemple, encore une fois, j'attaque, il esquive, il met une porte en pot et il attaque. Il n'a jamais attaqué une seule fois de la game. C'est une dinguerie. Ok les gars, survie de l'univers en face. Bon, des artistes, comme on vient d'en croiser parce que c'est un artiste. Hein. C'est très rare, en vrai c'est très rare. Il y a des mecs qui lag, mais à ce point là ça reste quand même assez exceptionnel. Belle team, TDP en face, let's go. En plus, c'est pas pour faire une fixette, mais je pense qu'on est tous pareils, vous comme moi. Quand t'affrontes un mec comme ça, je pense que vous allez vous retrouver dans mes paroles. Genre après ta session elle est morte. Genre tu vas être tilté de fou sur toutes tes autres games derrière. Alors on va réussir à go next. Mais en vrai, tu prends un mec une fois, t'as l'impression que ça va durer jusqu'à la fin. Genre, tu sais, toutes tes sessions après, ça va te rendre fou. Et en fait, dites-vous que regardez ce que je joue. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Le mec, ok, dans tout cas, il doit. Regardez ce que je joue. Genre vraiment faut recentrer un peu le débat des fois. Parce qu'il y a même des mecs des fois en commentaire qui disent: ouais mais Blas je sais pas quoi. Mais regarde ce que je joue frère. T'as vu ce que je joue ou pas? Je suis pas en train de jouer Gohan Ultra moi. Bien joué ça. Ah alors ça c'est un peu plus embêtant. La chance qu'on a c'est qu'ici on peut mettre Vegito Blue derrière parce que là il va attaquer je pense. Ok. Alors nullifie donc. Plutôt cover maintenant. Attention en fait c'est ce qui va nous manquer. Ah ouais par contre je suis en train de voir qu'on a aucun anti-cover. Sauf carte verte de Migaté. Ok ça on va lui mettre. Attention on peut être lock derrière. Ah il récupère sa TP. J'avais oublié. Alors là, vraiment, j'avais totalement oublié ce move. Jida. Ah. Tout à l'heure, on a essayé de break, c'est pas passé. Là, cette fois, on break pas, ça... Malheureusement, on aurait dû. On est bien là. La joueuse de Migaté, bien joué. Ça devrait être tanké de notre côté, ça. Attention, parce qu'en vrai, mine de rien, là, j'arrive plus à le toucher. Et bah, avec la joueuse de Migaté, attention, en vrai. Hein. Vraiment attention. Et son ultime qui fait horriblement mal, d'ailleurs. Ça, c'est top. Voilà, ça, c'est bien. Ça c'est bien, ça devrait nous permettre de prendre le kill si on a un petit peu de réussite et en plus de provoquer un switch en face. Allez,
Ok, let's go. A provoqué un switch en face de nous. Alors, on va proc son cut de ki. En vrai, à Golden, même en tuant avec le Rising. On est pas mal parce que là, c'est plutôt Gatai Zamasu que je vois bien nous donner la game là. Est-ce qu'il le fait? Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Je suis chanceux que je vous dis, j'ai une phrase que je garde depuis très longtemps. Chanceux que dans les invoques. Et cette phrase, je trouve qu'elle elle correspond plutôt pas mal. Oh. Sur 2 millions, 3, enfin quasiment 3 millions de points de vie, et réussir à laisser à 9000, faut le faire. Métisène avec Kid Goku, c'est même pas une famille Goku, mais n'empêche qu'on a gagné, j'avais même pas... On a gagné, on a réussi à gagner une game, ça c'est top. Allez les gars, let's go. Bon, je sais pas comment on va tuer Kid Goku, ça je ne sais pas. Hein, c'est pas de proposer de questions après, mais... Norose. Oh, par contre, ok... On sait que vrai. Ok, on va pas prendre de pression là-dessus, on est bien. Il nous a donné de la percée là-dessus et vous allez voir que bah, on va le taper quand même. Agata, il a pas de ki. Les cartes, elles coûtent 49. Agata, il t'a un problème quand même. Ok, malus de vitesse de pioche, malheureusement pour nous là. Il réduit le temps d'attente, les gars, Gotenks ici. Eh oui. Eh oui, c'est bien joué. Il y a aussi la jauge, il y a tout qui réduit le temps d'attente là. Allez. Allez, fais-le, s'il te plaît. Allez, fais-le, s'il te plaît. Final Kamehameha. Vraiment, un petit item de Vegeto Blue, les devs. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est un troll. Mais c'est un foutage de gueule, mais tu vas pas finir un kill. TRP. C'est un Végéto, c'est normal, il sait jamais finir un perso, mais c'est bon. Je suis mort, CRP. De putain, CRP. Végéto Blue ne termine pas ses personnages. Végéto Blue ne gagne aucun combat. Végéto Blue ne gagne jamais face aux méchants. C'est CRP. Vas-y, t'es... Oh, je suis mort. Mais comment CRP par contre? Ah ouais, non, Végéto Blue ne termine pas son ennemi. Vraiment, RP max. Et vas-y. Putain, ça me rend fou. Ça me rend fou. Tain, il va pas. Je t'écoute. Vraiment, je suis dévasté. Vous imaginez pas. Mais vraiment, ça fait deux fois que ça me le fait. C'est une dinguerie. Le perso dans son kit, c'est je ne tuerai pas parce que je m'appelle Végéto. Excusez-moi, mais mes respects, les fans de Végéto. Mais forcé d'avouer que c'est RP. Hein, hein. On parle de quelqu'un qui a jamais tué. Bref. Bref, bref, bref. Ne fâchons personne. Et là, tankiness. Alors ça passe pas normalement, voilà. Ah,
Il est censé être mort! Ça fait un siècle qu'il est censé être mort! Putain, je suis dévasté. Je suis mort. Non, mais je suis mort. Vraiment, je suis mort. Ça fait deux fois qu'il me le fait. Ça fait deux fois. Je suis toujours en vie depuis tout à l'heure, mais je peux rien faire, mais c'est rigolo quoi. Ciao. Bah ouais, mais bon. Si je te dis. Bah on va pas laisser le LF hein. Ah bah même pas. Ça fait deux fois que le personnage flop comme ça. Deux fois de suite. Non mais j'en reviens pas. Alors la probabilité de faire ça, je pense que je pouvais aller jouer au loto aujourd'hui. Alors là oui. Alors là, bravo. Non, je lève les mains, bravo. Full SLJ3. Bravo monsieur. Bravo. On a des gens dans la communauté que je souhaiterais rencontrer un jour. Bravo, c'est merveilleux. Bon, c'est bien sympa, mais si je gagne pas contre ça, je ne gagnerai jamais. Je pense qu'on peut te le dire. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de jaune, et là, je pense que ça va être la game de Migaté pour le coup. Bon, ça, c'est bien pour nous, ça. Ok, nice. Break. Remplis la main. Eh oui. Pouh. Bon, les dégâts. Il peut nullifier là. Vous savez quoi, Vas-y, je vais lui donner Végéto Blue. Vas-y, fume Végéto Blue, j'en veux plus de lui. J'en veux plus. Vas-y. Meurs Végéto Blue par le grand Super Saiyan. Hey, je t'ai offert le kill. Allez, vas-y, c'est quoi, je te le donne. Non. Attends, pardon. Là, je te le donne. Vas-y. Fume-moi. Je te le donne en offrande. Vas-y, par contre, tu l'as avec l'ultime. Oh. Non, man, j'ai perdu Végéto Blue. Oh. Il a été tellement grand dans ce showcase. Oh putain. Casse-toi de là. Meurs. Et ne reviens plus jamais. Attendez, oh. Oh, voilà, c'est le... J'adore l'ultime de ce Migaté violet. Lui, il prend des kills, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien ce genre de concept, en vrai, les gars. Parce que, en vrai, ça change, quand même. Franchement, ça change. Pas de Rising. Ah, bien joué. On est régénération, donc je crois qu'il a un boost, en vrai, là. Il va nous Rising Rush, hein. Je pense. Alors, il est déjà utilisé mes outils, donc si Rising, là, j'ai gagné, quand même. Ah, dommage, par contre, parce qu'il nous a... Juste avant le cut de... Le soin, pardon. Ah, t'aurais pu laisser. Ok, les gars, famille de Goku et Gohan, ils nous embêtent, pour dire ça gentiment. Allez, on va commencer avec Gatai en vrai, parce qu'il n'a pas de contre-type. On va encore souffrir avec des jeux uniques pourris, hein, ça va être chiant. Ok, les gars, bon, ça aurait été rigolo quand même. Il y en aurait eu des péripéties. On a quand même réussi à gagner quelques games, donc ça va, mais... Perfect dodge, ça commence merveilleusement bien, dis donc. Bah oui. Ça commence bien, ça, perfect dodge. Parfait. Voilà. Tiens, tu vas souffrir, là, maintenant. Peut-être pas mettre Gohan, là.
Ouais, je pense qu'il va mettre Gohan, je vous le dis. Ouais. En fait, Gohan, tu t'en fous de le mettre à contre-type en vrai. C'est volontaire ça, les gars. Il peut pas le perdre le clash. Et moi, il fera pas gagner, ça c'est sûr. Il est vraiment beau, Migaté, quand même. En vrai, ça, on n'en parle pas assez, je trouve. C'est un vraiment beau perso. Allez, là, mais on dispel, non? Dispel et Gohan? Ouais, dispel et Gohan. C'est-à-dire qu'on ne tuera pas. Parce que c'est dispellable, l'anti-survie de Gataï. Donc s'il a un Zenkai, on veut que ça passe indispellable si possible. Ça soit vraiment la diff. Il y a des persos dans le jeu qui l'ont maintenant comme C16 et tout, il n'y a pas d'excuse. On veut que ça fasse la diff. Carte verte. Spé, pardon, ouais. Ça va être dur en vrai. Il a... En fait, ce qui est ouf dans sa team, les gars, c'est qu'il a des dispels, mais absolument partout. Oh non! J'espère qu'il met pas une carte. Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va. C'est bon. Je croyais qu'il avait l'anti-cover. Par contre, il a plus la survie là. Il a oublié, je pense. Je pense qu'il a oublié. Honnêtement. Il a plus la survie, hein, d'accord. Je crois que je lui ai pété. Hein. Pour moi, je lui ai pété. Hein. Tout à l'heure avec Gata et Zamasu. Hein. Donc là, on va main parce que du coup, on a double affrontement. Ouais, donc on va même un troisième là. Ça devrait cogner là. Non. Oh, Vegeta, je te jure. Mais je te jure. Je. Ok, alors là, il s'est vengé, mais alors d'une terreur. Ah, ce qu'il a mis par contre là. Dommage. Et c'est LF là. C'est terminé, les gars. C'est terminé ici. Mais honnêtement, on aura quand même. Plutôt bien géré tout ça. On aura quand même plutôt bien géré tout ça. Ça aurait été dur. Vegeto Blues, c'est bon. On finit en bon terme. On est mature. On est des grands. Lui et moi, on s'est un peu. Voilà. Tout va bien qui finit bien finalement, les gars. On aura passé un bon moment. J'espère que vous avez kiffé. Le pouce bleu, l'abonnement. Toujours. Et à ciao. Dancing.